Les valeurs de l'UFOLEP, c'est le vivre ensemble, hein. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on voit bien, hein, montée des extrémismes, stigmatisation. Primosport, donc c'est un accueil de personnes étrangères qui arrivent en France, pour lesquelles on a une vocation tout d'abord de proposer des activités physiques et sportives. Le sport n'a pas de limite pour l'être humain. Le sport, c'est comme de l'eau, en fait, quoi. Quand je fais le sport, je me sens très normal et comme je veux. Primosport, un dispositif d'estime de soi, de reprise de confiance en soi. On est là sur une compétence véritablement du ministère de l'Intérieur, qui est la question de l'intégration, qui est la question de l'accueil des migrants. Le fait d'avoir l'État aussi qui nous soutient sur ce type de dispositif, c'est reconnaître aussi une demande qui est présente. Il y a peu de fédérations sportives qui sont engagées sur ce dispositif. Véritablement, la pratique sportive, elle est prétexte à créer de l'échange et de la communication, de pouvoir accéder à une étape importante de leur intégration dans notre pays, s'ils le souhaitent, hein, bien entendu, qui passe par de la formation professionnelle, qui passe par de l'inclusion. Donc c'est véritablement la plus-value de l'UFOLEP que de prendre globalement les personnes avec leurs difficultés, avec leur personnalité, et de les accompagner grâce aux éducateurs spécialisés et aux éducateurs sportifs à véritablement un degré haut d'intégration.